Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Dans cet épisode, nous allons parler de la déclaration des résultats. Que votre SCI soit soumise à l'IR ou à l'IS, la déclaration se fait sur Internet exclusivement. Vous devez obligatoirement procéder à une télédéclaration, c'est-à-dire une déclaration SCI en ligne, et ça sur le site des impôts. À l'IR, le formulaire 2072 avec ses deux annexes doit être télédéclaré au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai pour l'exercice comptable passé. Par la suite, les associés doivent déclarer leurs revenus fonciers au sein d'une déclaration individuelle. À l'IS, les délais de déclaration dépendent de la date de clôture de l'exercice social de la société. Les formulaires 2065, 2033 et 2050 doivent être télédéclarés dans les 3 mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable. Lorsque la fin de l'exercice est fixée au 31 décembre, la déclaration doit être déposée avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante. Lorsque la fin de l'exercice intervient entre janvier et novembre, le dépôt doit être effectué dans les 3 mois suivant cette date. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. À bientôt.